on mastique, c'est le journal moyen dans le Super Moscato Show d'Adrien. Et à la une, journal moyen aujourd'hui sur RMC. Alors Denis est en vacances, Denis Charvet, mais ne vous inquiétez pas, Ali Benarbia, Gani Yalouz et Marie Zévan GP ont pris le relais ce week-end parce que, bah oui, il fallait bien assurer le taf quand Denis n'est pas là de toute façon. Oui. Qui est le plus énervé après un match, Pascal Duprat ou Patrice Collazo? Il y a un match énervé là, faut les mettre dans un bureau, enfermés tous les deux après les matchs. Et puis Vincent, t'as enfilé ton Bermuda, c'est bon? C'est bon. T'as ta gourmette avec ton prénom dessus? Ouais, oui, bien sûr. T'as les gens, chevalier. Les gens t'as lu sur la voiture? Oui, sur les roues, oui, c'est bon? Oui, on fera un petit tour dans le triangle des Bermudas, c'est promis. C'est vrai. Ah oui, vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 250e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show. Alors, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Pas de Denis malheureusement aujourd'hui, Denis est en vacances, mais j'ai dû Ali. Ali Benarbia, samedi 22h05, début de l'after foot, Vincent, après la journée de Ligue 1, du classique. Il y a ce qu'on appelle les trois points. L'essentiel, c'est les trois points, les trois enseignements pour chaque consultant après la journée. Ali ? Et Ali Benarbia, quels sont tes trois points ce soir ? Je me souviens plus. Bah, merci Ali. Même pas un sur trois. Il y a ce qu'on appelle une micro-sieste. La mémoire lui revient enfin, Vincent. Ali veut nous dire un mot sur les débuts de Puel, Claude Puel avec Leicester. Et Ali ne comprend toujours pas son éviction cet été de Southampton. Alors, incompréhensibilité. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit pas. Dans le Moscato Show, on prend. Mais dans la vie en général, ça se dit pas. Mais nous, on prend, Vincent. Incompréhensibilité. On dit comment, alors ? Incompréhension, non ? Oui, incompréhension. Incompréhensibilité, si on sait presque pas. Pour le patron, là. Marie Zévan GP dans les grandes gueules du sport, débat sur l'identité. Parce qu'il parle, c'est des GG, c'est un truc. C'est dans l'air. L'indépendance de la Catalogne, etc. Marie nous parle, et c'est très émouvant, Marie, tu nous parles de ton histoire personnel. Chez nous, on parlait moitié occitan, moitié catalan, moitié français. Voilà, trois moitiés. Elle est très forte, Marie. Championne du monde. C'est comme les quatre tiers du picombière de César. Elle est là, ma Marie. Et ce jour-là, à ce moment-là, de l'antenne, il y a Philippe Saint-André qui est présent. Et Philippe, comme c'est une victime régulière du journal moyen, Philippe Saint-André, c'est le plus beau jour de sa vie. T'es un sacré mélange, toi. Je suis un sacré mélange. Un tiers. Moitié. Tiens, moi, raison. J'espère qu'Adrien Aigouin est ici. Adrien, c'est noté. 11h53. C'est noté, mon filou. C'est bon, c'était dans la boîte. Il est bon, Philippe, quand même. T'as du courage d'écouter les GG du sport. Fais gaffe, hein. Franchement, Marise, les trois. Tu participes à ces trucs. Tu devrais écouter ça. Ça serait bon pour ta culture un peu. Eric, tu participes à ces.